Chers amis, nous voici sur une nouvelle vidéo que j'ai intitulée 9 conseils pour voyager en Chine sans parler la langue. La perspective de voyager en Chine sans parler chinois peut être un peu intimidante, mais ce n'est pas une raison pour ne pas y aller. Il y a beaucoup de gens qui font de leur possible pour aider les visiteurs qui se débattent. Et en particulier, il y a les habitants qui parlent anglais. Donc cela aide aussi les expatriés. La Chine est un pays vaste, ça vous devez le savoir, et immense. Il y a donc tant de choses à faire, tant de choses à voir et tant de choses à manger. Donc je vous conseille, avant de venir, de prendre un tout petit peu du temps à apprendre les mots-clés qui vont devoir vous aider dans votre séjour ici en Chine. Mais grâce aussi à ces 9 conseils que je vais devoir vous donner, vous pouvez y arriver. Premièrement, je vais devoir vous parler de comment se déplacer en Chine et comment utiliser votre carte de l'hôtel. Et donc, il est évident que lorsque vous venez dans un hôtel, vous devez trouver à chaque table de réception de l'hôtel des cartes de visite qui sont généralement écrites en anglais ou encore en chinois avec leur ping. Alors, vous devez donc prendre ces cartes et les garder dans votre portefeuille parce qu'elles sont d'une valeur inestimable lorsque vous vous rendez à l'extérieur. Ça peut vous aider à pouvoir trouver votre chemin et à pouvoir facilement vous rendre là où vous souhaitez partir. Et donc, pourquoi j'ai dit cela? Parce que généralement, les chauffeurs ne connaissent pas le nom des grands hôtels en anglais. Donc, si vous vous hasardez à pouvoir donner un nom écrit en anglais, ils ne pourront pas se retrouver. Je crois que vous n'avez pas à vous inquiéter lorsque vous êtes dans la ville ou lorsque vous allez à des très longues distances. De vous inquiéter de comment je vais rentrer, de comment je vais faire pour rentrer, mais avec cette carte, vous serez certainement rassuré de rentrer à l'hôtel et où vous êtes logé en toute sécurité. Voilà, notre deuxième conseil porte sur comment se déplacer et obtenir l'adresse en chinois. Vous serez peut-être en train de vous demander, mais comment je vais me déplacer pour aller de l'aéroport à mon hôtel? C'est une très bonne question. Alors, vous allez trouver des réponses ici. Je vais donc vous dire que lorsque vous faites la réservation de l'hôtel au niveau des sites comme booking.com, il est préférable de bien prendre soin de garder cet email, soit de prendre un screenshot de l'adresse, parce que dans l'email de confirmation, on vous enverra toujours ce qu'on appelle l'email de confirmation. Donc, prenez cette adresse, gardez-la. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que vous serez peut-être buté à des problèmes d'internet, peut-être quand vous arrivez, vous n'avez pas des SIM chinois, donc vous devez peut-être habiter, chercher un Wi-Fi, ce qui est un tout petit peu moins évident. Donc je vous conseille de bien garder l'adresse de l'email de confirmation et vous montrer seulement au chauffeur qui vous ramène à l'hôtel en toute sécurité. Nous voici à notre troisième conseil où je vais devoir vous parler de comment commander des aliments en Chine. C'est une très bonne question en fait, mais actuellement je vais devoir vous rassurer que ne craignez plus rien, plus de crainte en aucun point. Parce qu'il y a le menu d'images qui sont vraiment aujourd'hui disponibles. Que lorsque vous allez dans l'écran ou dans n'importe quel restaurant décent, il y a toujours les menus d'images qui sont livrés. Et donc, ça vous permet de voir ce que vous mangez. Même si vous n'avez pas l'idée de quoi les caractères peuvent signifier. Mais de ce que vous voyez, vous savez que non, je veux ça. Et donc, il est très important aussi d'apprendre quelques caractères de certains aliments ou viandes que vous connaissez davantage, que vous connaissez, que vous appréciez. Donc, pour un tout petit peu avoir la facilité de manger en Chine. Notre quatrième point porte sur comment commander de la nourriture en Chine. Alors, encore une fois, pour les plus aventurés ou pour les plus soucieux de leur budget, pour ceux qui ne veulent pas dépenser dans les grands restaurants, vous pouvez manger sur la rue. Donc je vous assure que sur la rue, vous pouvez trouver de la nourriture ou bien dans des restaurants un tout petit peu modestes. Vous pouvez donc trouver des choses à manger. Et comment vous pouvez faire? Comment vous pouvez y arriver? Donc vous n'avez qu'à voir sous le mur, il y a toujours des images comme ce que j'ai parlé précédemment du menu et images. Donc vous n'avez qu'à montrer la photo, je veux ça. Ou bien sous la rue, vous pouvez donc manger tout ce que vous voyez. Votre goût, et vous pouvez voir des gens dans ce que les gens mangent le plus. Dites que non, vous dites c'est moi la serveuse que non, moi je veux ça. Et la serveuse va vous en donner. Donc vous n'avez qu'à montrer les doigts, pointer les doigts, donc je veux ça. Et la serveuse peut certainement vous servir. Vous aimez faire du shopping?
Donc, le cinquième conseil est pour vous. Donc, si vous êtes par exemple dans les grandes villes, par exemple comme Shanghai, Pékin, Xinjiang, vous aurez certainement envie de faire du shopping. C'est très évident. Et donc, je vais vous assurer que vous pouvez vous demander, mais moi je ne parle pas chinois, mais comment je vais devoir faire pour marchander avec les Chinois pour acheter un truc? J'aurais besoin de quelqu'un pour être à côté de moi. Je vous dis non. Parce que vous n'avez besoin que de connaître une seule phrase. Et donc, cette phrase, c'est pour dire, j'interprète, ceci coûte combien? Et donc, si vous avez cette phrase, il vous donnera le prix. Et ils savent certainement que les expatriés ne parlent pas chinois, et donc ils ont disposé des calculatrices à côté qui vous permettront de. Ils vont noter les prix. Et donc, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez marchander en tapant votre prix. Et s'il est d'accord, ok, vous échangez l'argent. Donc, c'est beaucoup plus facile. Êtes-vous passionné par les visites, les découvertes? Et donc, le sixième conseil est pour vous. Alors, pour commencer, j'aimerais juste vous préciser que en Chine, Google, là, ça n'existe pas, hein? Bon, ok, mais ça existe si vous utilisez VPN. Voilà. Donc, en fait, ici en Chine, on n'a pas accès à Google. Ça, c'est une information que j'aimerais juste vous donner. Donc, on utilise Google grâce à VPN. Donc, c'est un peu difficile, au fait, d'entrer en contact avec, de faire des recherches sur Google, des fois. Donc, vous serez censé utiliser Bing ou encore Yahoo Search. Et donc, ici en Chine, lorsque vous désirez partir à des endroits, vous devez donc chercher l'endroit où vous partez et connaître l'historique de là où vous allez. Et donc, ça vous aidera à pouvoir comprendre ce que vous allez faire là-bas. Et ça vous aidera à pouvoir bien vous en sortir. Tant c'est au fait que j'avais. Et voilà, nous allons donc parler de notre septième conseil. Ça va vite. Nous allons donc parler du GPS, bien sûr, map, tout ce que vous voulez. Donc, ce sont des petites applications que vous trouvez sur des smartphones qui vous permettent, au fait, qui sont d'une très grande importance lorsque vous vous déplacez pour des villes où vous ne connaissez personne. Et c'est toujours embêtant lorsque vous arrivez dans une ville, commencez à demander à n'importe qui votre chemin. Donc, avec votre système de GPS qui sont reliés avec certaines applications comme Map, il y en a ici en Chine, par exemple Baidu Map, un truc du genre, c'est vraiment d'une très grande importance. Pour témoignage, j'ai eu affaire de grandes villes où je ne connaissais personne, donc je partais, mais quand même, je connaissais l'endroit où je partais. J'ai juste tapé dans la recherche et on m'a donné la direction. Et ça vous donne plusieurs alternatives. Prendre le métro, prendre le taxi ou faire. Quand vous trouvez entre des alternatives telles que prendre le métro ou prendre des taxis, je vous conseille de prendre le métro parce que c'est la solution la moins économique pour arriver là où vous allez. Donc, beaucoup plus intéressant et voilà. Voilà, ça c'est 8 en chinois. Donc c'est notre 8e conseil où nous allons devoir vous parler cette fois-ci de lorsque vous n'avez pas ces systèmes de GPS, les Google Maps ou encore Baidu Map, comment vous devez vous déplacer à travers la ville. Donc vous pouvez demander à votre service de l'hôtel de vous aider parce que généralement elles parlent, ces femmes-là parlent aussi anglais, de vous donner au fait l'adresse de là où vous partez, comment prendre le métro, comment y arriver. Donc elles peuvent certainement vous aider. Donc c'est aussi un détail qu'il faudra ajouter et que j'ai dû certainement vous parler. C'est très important lorsque vous connaissez là où vous partez, de pouvoir prendre note des comment, des itinéraires, comment y aller. Vous serez sans doute convaincu d'y arriver sans avoir l'aide de quelqu'un. Ça, c'est notre dernier jour, notre dernier conseil. Donc, j'aimerais justement parler d'une application qu'on appelle Pleco. Pleco, c'est une application qui est beaucoup plus connue ici en Chine, qui vous permet d'avoir accès à certaines traductions sans pour autant avoir l'internet, bien sûr. Donc, c'est beaucoup plus comme votre ami qui va devoir vous accompagner partout où vous allez parce que vous aurez besoin de la traduction de certaines choses que peut-être vous n'avez pas l'internet là où vous êtes. Plinko vous aidera. Donc, Plinko, c'est beaucoup plus une solution meilleure pour ceux qui ont peut-être fait beaucoup de temps ici en Chine parce que ça vous permettra de vous aider à pouvoir reconnaître facilement les caractères chinois ou encore lorsque vous avez les pinyin en tête, vous pouvez facilement
vous avez un niveau avancé, vous pouvez facilement comprendre l'essence de ce que. Voici à la fin de notre vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager, d'aimer et surtout de laisser un commentaire. Si vous êtes intéressé par la Chine, bien sûr, n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne. Et si juste en bas, vous trouverez des vidéos précédemment publiées. Et donc, je suis très content d'avoir passé un moment avec vous. Ciao, ciao!